Bon, chose promise, chose due, on va regarder un petit peu les statistiques maintenant. Alors, bon, ça fait quand même un certain nombre de mesures, hein. Ah ouais, donc c'est quand même intéressant, hein. On voit que, bon, là, cette statistique-là, elle sert juste à mes horaires. Mais on voit que je fous plus grand-chose, hein. Avec mes horaires qui ont changé, le fait de plus travailler autant qu'avant, etc., je fais plus que 7h87. C'est en unité d'heure, hein, bien sûr. Donc un petit peu moins de 8 heures par jour maintenant. Ok, admettons, pourquoi pas. Tiens, le prix des repas, ça va être intéressant, ça. Parce qu'on a quand même beaucoup beaucoup de mesures sur celle-ci. On est presque à 1000 mesures. Et on a un prix moyen du repas. Alors, seuls les repas au restaurant sont indiqués, bien entendu. De 11,34 € environ. Bon, là, j'ai fait un très très gros craquage sur le prix maximal. Mais bon, là, je m'étais fait un super repas gastronomique, machin truc. C'est quand même balèze. Entre les fois où je me fais inviter, les réductions que j'ai. Et la participation au ticket restaurant d'entreprise, etc., ça ne fait que 11,34 € de moyenne. Intéressant. Intéressant, intéressant. Sur le gasoil, bon là c'est pas super lisible, mais c'est pas grave, parce que moi je connais l'ordre où j'ai mis tout ça. Il y a quand même presque 140 mesures, donc on est quand même à peu près bien. Donc on peut tirer de ça qu'on fait des pleins de 51,89 € tous les 679 km environ. Pas mal. L'écart de distance le plus gros entre deux pleins, c'est 771 km, presque 800. Sachant que j'ai un petit Kangoo diesel de 2006. Ok, admettons. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant à regarder encore comme statistique? Statistique sur le vélo, tiens, j'en fais quasiment plus parce que j'ai plus le temps. Alors ça date depuis 2001, ces statistiques-là. On est en 2017. Donc au total 75 000 km 200, enfin 300 même presque. Sur la période, je me suis quand même fait voler 3 vélos, hein, magnifique. Je me suis fait voler donc pour 679 euros de matos. Donc entre ceux que j'ai achetés, revendus, etc., ça fait une moyenne de 0 euros, enfin ça fait 2 centimes très clairement, 2 centimes d'euros du kilomètre. Pas mal. Intéressant, intéressant. La moyenne par vélo fait quand même 8 000 km par vélo environ. Sachant que je fais du course, je fais du VTT, etc. Et du simple déplacement aussi avec un vélo de ville, bien sûr. J'ai pas le prix moyen des vélos. Ah bah si, 192 euros. Entre ceux que j'ai achetés d'occasion, ceux que j'ai achetés neufs, etc. 192 euros de prix moyen. Bon, 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 bah c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre? Pas grand-chose. Bref, cette vidéo n'a pas beaucoup d'intérêt, sinon de te montrer effectivement qu'en créant des vues, et en la regardant quand on a beaucoup beaucoup de mesures, on peut arriver à extraire des choses un petit peu intéressantes. Donc c'est du SQL standard, hein. Simplement au lieu de faire un create trigger ou un create table, machin, on fait enfin, un create view, select, machin, avec les conditions qui va bien. Il y a des tonnes d'exemples, je t'en montrerai en live, tu vas voir, c'est tout simple. Mais tu vois, on peut faire des petits rapports comme ça qui permettent d'avoir des informations assez sympas.